petit bilan. Ouais, donc voilà, bah 4 manches de couru déjà. Petit bilan, on va dire mitigé, parce que qu'on fait des bonnes choses et des moins bonnes, et pour l'instant on n'arrive pas à faire des manches super bien placées. Donc voilà, mais bon, ça vient. Voilà, on finit par une dernière manche de sixième. Là, on doit être sixième au général. Donc c'est pas si mal. On n'est pas très loin de la troisième place. Voilà, non, ça va être ça, il reste encore on va dire 6 manches où on va vraiment tout donner. Demain encore on change de zone, donc on va être sur une autre zone. On espère que ça va changer un petit peu et qu'on ait un peu plus de réussite sur les choix stratégiques. Mais en tout cas, les points positifs, c'est on remonte bien les places, on va vite au portant, donc si on arrive à faire des bons passages au vent, ça va, on va vraiment faire des bonnes manches. Actuellement, comment tu l'expliques, un petit peu un manque de réussite aussi sur les choix, surtout... ouais. Manque de réussite, oui, un peu, non. En fait, on a un petit peu déficit en vitesse au près. Après, on n'a pas forcément pris les bons départs, voilà. Mais là, ça commence à bien se caler. Et donc, c'est vrai que c'est un peu différent. Il y a beaucoup de gens qu'on attendait en bonne position et qui sont pas présents, qui sont complètement à côté. Donc, c'est vraiment, c'est là qu'on voit que c'est vraiment une régate à part. Hein. Les jeux, c'est vraiment différent. Donc, ouais, hier on a fait un départ où il y a quelqu'un qui est parti trop tôt, donc il était au CS, donc on fait des départs lancés et lui était lancé trop tôt et en fait il était devant notre axe, donc on pensait qu'il allait faire revenir plus tôt pour nous dégager la place. S'il a pas fait, du coup bah lui il plante son départ et il plante aussi le nôtre, donc marche arrière avant le départ, voilà, ça a été un peu compliqué mais on remonte bien. Donc ouais, si on arrive à faire des bons trucs et qu'on arrive à tous ces gens qui d'habitude sont plus là au bout d'un certain nombre de manches parce que on fait des poules de qualifs, là ils sont là toute la régate, donc on va essayer de les éviter un peu et puis voilà, après je pense qu'il y a moyen vraiment de faire des super manches et demain on va mettre la poignée dans le coin.